Coucou amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de l'Image, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de faire la générale, je ne sais pas si vous l'aurez vue, qui était très intéressante. Donc pour là je pense qu'on va parler pour les célibataires. Hein. Les célibataires, avec la thématique du mois, nous avions pour la générale la transformation, hein, la mort, hein, donc une renaissance. Là, sentimentalement, vous voulez vraiment transformer une situation, je pense. Ça me parle de ça, moi, de vous voulez vraiment transformer, retrouver un équilibre dans dans une relation sentimentale. Bon. Parce que là, avec le chakra cœur, on me dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous pouvez être en relation. Hein, peut-être, je ne vais pas y arriver, hein, j'abîme toutes mes cartes. C'est sympa. Vous pouvez être en relation avec une personne, voilà, sans que ça soit votre âme sœur. Enfin, voilà. Là, on me dit, ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Mais entre vous, il y a quand même une dépendance affective. D'accord? Et on me dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, effectivement, vous êtes peut-être en relation avec une personne que vous appréciez parce que vous êtes en dépendance affective avec elle. Mais ce n'est pas ton âme sœur. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre qui viendra. Enfin, voilà. Nouvelle rencontre proche dans le mois d'avril peut-être, mais voilà, actuellement vous n'êtes pas accompagné par la bonne personne. Voilà, c'est ce que me disait carte. Après, venez pas m'assaillir de messages en me disant mais t'es qui pour me dire ça, toi? Ok, moi je vous lis le message. Hein. Avec l'oracle histoire de sorcière, on me dit médite pour créer. Donc moi je pense que comme vous voulez vraiment transformer votre vie et qu'elle soit épanouissante, je pense que la méditation pourrait vous apporter, vous permettre de rentrer en vous et de pouvoir voir les choses autrement. De ne pas être attaché, lié et point lié à cette personne qui n'est pas ton âme sœur. D'accord? Moi, voilà ce qu'on me dit en d'autres decks, c'est porté par le courant. Ben, je pense que oui, il faut lâcher prise, il faut aller. Pardon. Oui, excusez-moi. Donc, avec la carte médite pour créer, je vous disais, donc méditez pour vous, pour vous réinventer, puisque en plus on a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est un changement, c'est une évolution dans votre situation. D'accord? Laissez-vous porter par la vie, lâcher prise sur cette situation qui n'aboutit à rien. Et voilà. Chiffre 7, c'est voilà, c'est faites-vous plaisir. Voilà. Laissez vos impulsions s'exprimer et faites-vous plaisir. Donc, eh ben, faites-vous plaisir et je vous dis qu'il y a une autre rencontre plus intéressante et plus adéquate avec vous qui vient vers vous. D'accord? Voilà. Surtout pas de mauvais messages. Merci. Allez, amis poissons, on va aller voir avec l'améthyste love. Ce qu'elle a pour vous. L'améthyste love pour les poissons avril
2023, s'il vous plaît. Avril 2023. Avril 2023. Poisson, 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 avril 2023, poisson. Poisson, avril 2023, Mickey. Qu'avons-nous? Allez, pour les poissons, avril 2023. Merci, merci, merci. Quel message? Alors, on me dit qu'effectivement, il va y avoir séparation. Voilà. Parce qu'il y a une relation karmique qui vient vers vous. D'accord? Donc, même si vous êtes dans une solitude, un silence, un isolement, voilà, vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de rompre. D'accord? Oui, vous étiez en dépendance affective. On me le redit, hein. Vous voyez, les cartes, elles ne mentent pas. Hein. Mais vos guides vont vous montrer qu'il y a une autre relation qui arrive vers vous et qui va vous permettre de soigner votre cœur. Ça va être une relation charnelle, mais avec un happy end. D'accord? Et Vous allez envoyer des messages, vous allez envoyer des signes. Ouais. Peut-être il va y avoir des messages envoyés de l'au-delà. Moi, je pense, puisqu'on a les guides, on a la grand-mère. Tout le monde n'a plus sa grand-mère. Si vous l'avez, bah, je vous le souhaite. Mais voilà, on a les guides. On a le message. On a le défunt. Donc, pour moi, vous allez recevoir des messages. On va vous envoyer des messages pour vous montrer le bon chemin, d'accord? Ouais. Non, on me parle. Vous allez peut-être être prudent aussi parce que vous allez peut-être tomber sur une personne qui n'est pas sérieuse. Hein. Donc, vous allez peut-être jouer la prudence. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être celle que vous allez vous séparer. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui n'était pas sérieux. D'accord? Ouais, moi, à mon avis, c'est ça. C'est votre âme sœur n'est pas prête parce que c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Donc là, vous allez peut-être jouer la prudence et vous allez oser accepter l'invitation qui vient vers vous. Hein. D'accord? Mais voilà, il y a quelque chose de bien qui va venir à vous. Hein, mais je vous l'ai dit. Hein. Vous allez vous séparer pour quelque chose de plus beau. Avec un happy end là, c'est la rupture. Je pense que pour moi, la rupture, elle est inévitable. D'accord? Bon, enfin, vous me direz. Hein. Ne tirez pas sur l'ambulance, c'est tout ce que je vous demande. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a pour les poissons avril 2023? Avril 2023. Moi, on me dit bien que là, vous êtes sur un nouveau départ. Hein, parce qu'il va y avoir des secrets de révélés. Bon, donc, mes amis, voyez comment ça vous parle, hein. Amis poissons. Allez, pour les poissons, avril 2023, s'il vous plaît. Poissons, avril 2023, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ouais. Vous êtes sur un nouveau départ, c'est bien ce que je vous disais. Hein. C'est là, vous allez couper tout ce qui ne sert plus. Et
récolter ce que vous allez ben, ce que vous allez semer. Là, il va y avoir divulgation de secrets, hein. Donc, on me parle bien de vous, hein, si c'est vous qui êtes un homme romantique, hein, si ça peut être vous une femme. Mais voilà, il y a de l'amour qui arrive vers vous parce que on va vers un nouveau départ, d'accord? On va vers un nouveau départ après avoir entendu des secrets qui n'auraient pas dû. Mais il y a de l'amour qui vient. Voilà, il y a de la transformation. On va vous sentir vraiment comme un. Voilà, il y a de la transformation. Hein. C'est. Voilà. Comme un enfant. Comme un enfant avec des nouveaux jouets. Mais vous allez pouvoir. Vous allez avoir le courage de traverser le pont pour aller retrouver l'autre. Ça va vous permettre de vous stabiliser. Hein. D'accord? On me dit bien que les jeux sont faits et qu'il y a quand même une relation fidèle qui va s'installer. Hein. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Voilà. Parce qu'il y a quand même du stress, je pense, en ce moment. Mais le timing arrive. 7 et 3, 10, vous êtes quand même sur un nouveau départ qui fait que vous êtes vraiment sur le bon timing. Il va y avoir de la communication et peut-être une l'occasion d'emménager avec dans un nouveau foyer. On me dit bien que vous avez de l'abondance d'amour avec force et voilà, robuste, hein, vous êtes quelqu'un de très fort, de très robuste et qui a de l'amour à revendre, quoi. Vous avez la protection divine, même que vous soyez prudent, il va y avoir de la concrétisation. D'accord? Donc, le message là, il est clair. Il est clair, net et précis. Vous avez un nouveau destin qui arrive vers vous. Allez, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Oh là! Pardon, je coupe. Voilà, donc j'ai rétabli la chose. Donc pour les poissons avril 2023, on me parle hein, de séparation. Hein. Donc, encore. Bon, ben, je suis désolée hein, si vous aviez pensé. Ouais, il y a trop de prises de tête hein, entre vous, là. Il y a des crises, hein, c'est pas la peine. Mais voilà, je voulais vous dire que j'étais désolée si des fois, voilà, vous pensiez avoir trouvé votre âme sœur, voilà. Mais non, ce n'est pas. Voilà. Donc là, on vous sent quand même dans la solitude. Hein. Même que vous ayez quelqu'un auprès de vous, ben, vous vous sentez seul au monde. D'accord? Donc, allez, pour mes amis poissons, avril 2023, qu'avons-nous? Vous plaît, le message pour les poissons. Bon, écoutez, hein, là, ça ne peut pas être plus clair, net et précis. Hein, on a commencé l'améthyste là avec. On continue avec, mais moi je vous conseille d'aller voir la générale, la lecture générale, parce que la lecture générale va parler de trahison aussi dès le départ. Donc voilà, je pense que là il va y avoir une rupture suite à une divulgation d'une trahison. Hein. Ouais, parce qu'on a une nouvelle rencontre qui se fait. Bah, je pense qu'elle va durer dans le temps, hein. Voilà. Vous êtes sur le bon timing. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous êtes sur le bon timing. Mais ça va être une relation qui va durer dans le temps. D'accord? Ouais. Là, on me dit bien que vous vous séparez suite à une trahison, une déception, peu importe.
mais aussi parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous vous sentez seul et moi, je pense que vous vous sentiez oublié. D'accord? Et là, on me dit bien que vous êtes sur un nouveau départ et que vous allez vous réconcilier avec l'amour, hein, avec ces, ouais, avec les trois cartes, c'est pas. Là, on continue, vous voyez? On continue, hein. Il y avait trop de prise de tête. Mais là, une nouvelle chance s'offre à vous. Bon, vous allez être prudent. C'est un peu normal. Je vais vous dire que ça serait un peu normal d'être prudent. Mais, ouais, vous n'êtes pas intéressé, voilà, votre cœur n'est pas intéressé par l'argent. Votre cœur, c'est vous sortir de vous voulez sortir de votre solitude. Vous voulez sortir, vous voulez vous exprimer avec le chakra-gorge, hein, et ouvrir votre cœur avec le chakra-cœur. Hein. Donc, et ouais, mais vous allez rencontrer vraiment votre équilibre là. Il va y avoir de la promesse, hein, voilà, regardez le grand bonheur, hein, et un grand amour, et de la fidélité. Mais il va falloir réparer votre cœur. C'est ce que me disent les cartes, hein. Il va falloir vraiment poser la dernière pièce. Et réparer votre cœur. Bon, et ben voilà, c'est bien. Envoyez-moi des messages, je veux tout savoir. Voilà, allez, on termine avec le Médéor. Ah. Allez, Poisson, avril 2023, s'il vous plaît. Ça ne veut pas se mélanger. Ça ne veut pas se mélanger. Ça ne veut pas se mélanger. Poisson, avril 2023, s'il vous plaît. Voilà. Poisson, avril 2023, s'il vous plaît. Faites un message pour les poissons, avril 2023. Bah, dis donc, elles sont collées ou pas? Ouais. Et vous avez la réponse en vous, hein? Vous avez déjà votre réponse. Donc, vous savez très bien qu'à la lecture de ce tirage, vous savez très bien, voilà, ce qu'il en découle. Ouais, dans l'année en cours. Bon, bah écoutez, hein. Ouais, bah oui, vous avez de la jalousie. Il y a des gens jaloux autour de vous, hein. Mais là, il va, voilà. Vous allez apaiser. On me dit que vous allez apaiser votre mental, vous allez apaiser vos émotions, et puis bah, vous allez être le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. C'est tout, hein. Allez, pour les poissons, avril 2023. Merci, merci, merci. Quel est le message pour les poissons, avril 2023? Merci. Moi, je pense que ça va être une situation difficile à vivre parce que vous étiez quand même dépendant. Voilà, vous aviez une dépendance affective avec cette personne. Et je pense que voilà. Donc, ça va être, je pense, un moment difficile, mais la méditation va pouvoir vous aider à vous transformer, par contre. Donc, vous allez faire le choix. Voilà. Et l'univers va vous. Va acter en votre faveur, quoi. Il va vous aider à renaître de cette situation. D'accord? Voilà, vous avez un bonheur total qui vous attend. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors là, le message, il est clair, net et précis, hein. On me dit bien que vous allez vraiment sauter du rocher, hein. Voilà. Il y a un message qui va vous être envoyé. C'est ce qu'on avait vu dans l'améthyste love. Et voyez, il y a une rencontre forte qui arrive vers vous. Donc, tous les jeux sont raccords. Moi, je dis merci l'univers, merci mes guides, merci mes anges. Voilà. Parce que franchement, là, les jeux sont raccords. On vous demande de lâcher prise, d'apaiser votre mental. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Et aimez-vous. Aimez-vous, vous êtes une belle personne, ami poisson, donc aimez-vous. Voilà, donc, ouais, vous allez passer à l'action, hein, mais
Vous allez à passer à l'action parce que vous allez vraiment, il va y avoir entre vous un lien de vie antérieur. Donc c'est voilà, vous êtes deux vieilles âmes qui se rejoignent. On me dit bien que la famille, vos proches, vous soutiennent dans votre succès, hein, avec la Queen Bee. Eh ben, c'est votre guide, c'est votre guide spirituel, c'est votre étoile, d'accord? Elle va être là pour vous guider sur la, vers la, vers, vers la bonne personne et vers l'être aimé. Vous avez là déjà la réponse en vous, d'accord? Ben, très très beau message, hein? Franchement, le dernier jeu, impeccable. Moi, je dis, je reste sans voix, mais c'est pas souvent. Voilà, mes amis, poissons. Donc, si le message, si la lecture résonne en vous, ben, mettez-moi un petit message, un pouce, un abonnement. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie pour votre soutien à ma chaîne. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous. D'accord? Méditez, c'est la solution pour trouver toutes les solutions. Et je vous dis à très vite, amis poissons. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.